Yo tout le monde, c'est Lunatix. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc on va continuer la série Célébration. Donc on avait déjà ouvert le coffret Zacian et le coffret Lansorien. On avait chopé pas mal de doublons quand même, mais quand même des assez bonnes cartes parce qu'il y avait que seulement 6 boosters Célébration. Et là on se retrouve avec deux autres coffrets. On a le coffret Nymphali, donc coffret avec 4 boosters Célébration, 2 styles de combat, donc pareil que le Zacian. On a la carte promo Nymphali Obscur V et sa Jumbo. Donc voilà, un coffret qui est vraiment cool, Nymphali Pokémon que j'adore aussi. Très belle évolution d'Evoli. Et on va retrouver aussi avec le coffret que beaucoup de gens adorent, le coffret Dracaufeu V de Peter. Donc c'est exactement le même. Donc on retrouve 4 boosters, 2 styles de combat, et on a les cartes Dracaufeu V et Dracaufeu V de Peter. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Du coup, on se retrouve avec le coffret Nymphali. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc on va le déceler. Du coup, une fois décelé, on retrouve ceci. Donc, on va ouvrir ça. Donc, on a la carte Nymphali Obscur V. Voilà. Donc là, vous pouvez la voir de plus près. On va la mettre de côté et sous sleeve. Hop. On la met directement sous sleeve. Donc là, on espère encore choper le Dracaufeu, comme la dernière vidéo, en espérant pas choper les mêmes cartes. Là, on a la carte Jumbo. Voilà, vraiment stylé. Nymphali. On va la mettre de côté. Et là, on a les boosters. Donc, on a 1, 2, 3 et 4 générations. En célébration plutôt. Et deux styles de combat. Le code, on le met de côté. Hop. Et donc, on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc, on a deux styles de combat. Hop. On va commencer par eux. C'est les boosters qui sont moins importants. Hop, Tyranocif Pokémon aussi, j'adore. Hein. Vous pouvez voir l'illustration. Hop, on ouvre ça. Hop, on met de côté. Donc on enlève le code. Manip 1, 2, 3, 4. Hop. Donc on a énergie électrique, à flamme à noir, rouleau acerbe en point final, énergie en point final. Psytigri, Lixi, Larvadar, Scalpion, Ferrosinge en point final, Concentration de Cornelia, et derrière on a Colossinge en point final, donc c'est une carte rare normale, pas de hits. On va mettre ça de côté, on va ouvrir le deuxième booster, donc là c'est une illustration Chifourse en Gigamax, c'est le 1000 points celui-là en bleu. Hop, on va ouvrir ça. On met le booster de côté. On fait la manip. Ah, on peut voir là que la carte, elle est d'une autre couleur. Hein. C'est vraiment bizarre. Hop. Énergie électrique. Aldo. Moustar style 1000 points. Morpeko. Chaglam. Voltoutou. Ramolos de Galar. Tritox. Cornèbre. Oh, j'aime bien l'illustration là. Colomar en reverse. Et derrière, il y a Elekable en rare. Toujours pas de hits. Mais bon, c'est les boosters style de combat. Hein. On s'attend jamais à rien de fou. On préfère Célébration largement. Et donc là, on commence avec le vrai, le sérieux là. Célébration. On veut choper le Dracaufeu. On veut le choper. On a déjà le Noctalistar. Vous pouvez voir, il est juste là, hein, Noctalistar. Je vous le remontre. Vraiment incroyable cette carte. Hein. Mais ça suffit pas, nous on veut le Dracaufeu, ça fait toujours plaisir quoi. On peut le faire grader. Parce qu'on fait une collection de Dracaufeu, j'ai déjà chopé pas mal de Dracaufeu. Je vous montrerai, je pense dans une vidéo, je vous montrerai tous les Dracaufeu que j'ai chopé. Mais j'espère choper celui-là en tout cas. On enlève le code. Hop. Donc on commence avec Palkia. Yveltal. Derrière ça, on a... Oh! Il me semble que j'ai vu un truc. Hein. Il me semble que j'ai vu un truc et c'est type ténèbres. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être Noctalistar. Hein. Noctalistar! Oh, c'est vraiment propre. Oh, Noctalistar, incroyable. Donc, on a chopé la carte la plus rare avec Dracaufeu. Hein. Vraiment, c'est les deux cartes les plus rares. Vraiment incroyable. On rechoppe Noctalistar alors que je l'ai déjà. Vraiment, je l'ai en double. C'est vraiment incroyable, vraiment. C'est ma carte préférée, hein. Vraiment, il n'y a pas de meilleure carte pour moi. Dracaufeu, c'est incroyable, mais Noctalistar, mais c'est
Incroyable. Et en plus, oh, Pikachu volant VMAX derrière. Oh, c'est quoi ce booster? Oh, le booster de la mort. Pikachu volant VMAX et Noctali Star dans le même booster. On va mettre directement sous sleeve, même sous top loader. Cette carte, elle vaut plus de 100 euros, hein, cette carte en hein, Noctali. Donc là, vraiment rentable. Comme ça, en plus, vous pouvez voir, ça, c'est un top loader. Du coup, c'est pour protéger vos cartes encore mieux. Ceux qui sont vraiment rares. Hop là. On va mettre comme ça. On tapote un peu. Faire rentrer la carte. Voilà, du coup, là, vous l'avez sous top loader. Bon, elle n'est pas tellement bien mise. Je vais la remettre après, juste après. Mais en tout cas, là, on retrouve la Noctali Star. Incroyable. Vraiment, le pack opening commence super bien, là. On va la mettre de côté. Je vais mettre celle-là, comme ça elle est mieux. Hop. Donc, Nymphali obscur. On a le Pikachu volant aussi. En VMAX. Donc ça, c'est super cool. On avait eu le surfeur, il me semble, dans la dernière vidéo. Et on a eu 3 fois le Pikachu volant. Il nous aime bien un hein, Pikachu volant. Donc premier. Attends. Premier booster hein, Noctali direct. Premier booster célébration. Ça commence parfaitement. On espère que la chance elle continue comme ça. Hop, deuxième booster. On enlève le code. Ouais, je vous ai dit que les taux dans cette série sont vraiment incroyables. C'est vraiment cool à ouvrir. Hein. Vraiment, c'est. Là, on se retrouve avec Groudon, Commune, Cosmoboom. Oh, j'ai cru que c'était Dracaufeu. Hein. Quand on voit du rouge en troisième carte comme ça, c'est très souvent. Bah, c'est une chance sur trois d'être Dracaufeu. Donc là, Reshiram. Et derrière, on a Zamazenta en V. Vraiment cool la carte. Hein. On va la mettre sous sleeve. Voilà, il y a vraiment beaucoup de cartes là. On ouvre 2 boosters, on a 3 bonnes cartes. On a plus de bonnes cartes que de boosters, donc ça montre que les taux sont vraiment incroyables. On va mettre ça de côté. Bon, les communes, on les retrouve assez souvent les mêmes quand même. Au bout d'un moment, on finit assez vite. On fait très vite le tour des communes. Là, on va ouvrir ce booster. Un peu galère à ouvrir. Les boosters Célébration sont un peu galères à ouvrir quand même. Hein. Hop. On va mettre le code de côté. On retourne. Cosmovoom. En commune, rare. Groudon. Kyogre. Ça aurait pu être Tortank. Hein. Et derrière, Mew. Donc c'est le booster. On n'a pas eu, on n'a rien eu. Donc, le premier booster, on ne touche pas de hit. C'est pas grave, hein, parce qu'on a le Noctali qui vraiment. Là, ça rembourse carrément les 2 paquets. Hein. Vraiment, c'est une carte. Vraiment, je vous dis, elle est à 100 euros. Je pense qu'il y a moyen de la vendre. Dracaufeu qui est un peu au-dessus. Hein. Il a 120, 130. Et c'est tout de suite Noctali Star qui prend la place derrière. Et je la trouve vraiment plus belle. Hein. En fait, Dracaufeu, pour moi, c'est plus de la hype. Et Noctali Star, c'est vraiment pour de la collection, quoi. C'est vraiment une carte incroyable. Donc là, on se retrouve avec Groudon. Reshiram. Professeur Chen en set de base. Donc, ou carte ancienne, en tout cas. On voit que les bords, ils sont beaucoup plus épais. Hein. Ça peut être Dracaufeu. Et on retrouve Pikachu Surfer, qu'on n'avait pas eu hein, dans le dernier pack opening. Donc on va la mettre directement sous sleeve. Et là, il y a le code. Hop. Pikachu Surfer. On a le dresseur qu'on va aussi mettre sous sleeve. Donc là, j'ai regardé hein, pour le set. Les plus grosses cartes qui me manquent, c'est un Mew Gold et le Dracaufeu. Mais sinon, la plupart. Les grosses cartes, en tout cas, bah, le Noctali Star. Là, je l'ai en double du coup. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, c'était pour le premier coffret. Bah, on se retrouve avec ces cartes. Donc notamment la Noctali Star, vraiment, je répète, incroyable. Incroyable. Comme dit SCH. Donc on se retrouve avec le deuxième coffret Dracaufeu. Du coup, on se retrouve avec le coffret Dracaufeu. Bon, on espère avoir autant de chance que dans le premier. Peut-être qu'on va choper le Dracaufeu dans le coffret Dracaufeu. Ça serait vraiment cool. Donc on va déceler ça tout de suite. Du coup, une fois décelé, on retrouve ça. Du coup, on va ouvrir le côté, le plastique. On a la carte Dracaufeu V de Peter en promo. On va la mettre sous sleeve. Hop, on prend la carte. Ça, on met de côté. On prend une sleeve. Hop. Elle est vraiment très très cool la carte. Pour ceux qui font une collection de Dracaufeu, c'est parfait. Donc là, il y a la carte Jumbo. Bon, les cartes Jumbo, généralement, c'est plus. Voilà, on les met dans des classeurs, mais on préfère quand même les cartes plus petite taille. Là, on a 4 boosters célébration, comme le premier coffret. Les deux coffrets, en fait, c'est exactement les mêmes. Hein. C'est juste les cartes promo qui changent. On va mettre ça de côté. On prend les boosters, le plus important, quoi. Hop, le code, il sert à rien.
On va les mettre de côté. Et du coup, on retrouve 4 boosters célébration. Là, on a les anciennes cartes qu'on a chopées dans le coffret Nymphalie. Et là, les 2 boosters style de combat. Moi, on espère choper quand même une arc-en-ciel dans le style de combat. Il y a toujours des arc-en-ciel. Il y a des alternatives aussi qui sont stylées. Il y a Tyrann aussi. Il y a Pingoléon. C'est toujours cool, voilà, de choper une carte. En fait, les boosters là, ils sont presque gratuits en fait. Parce que on retrouve 4 boosters célébration pour 25€ à peu près. Donc déjà juste avoir ça, c'est déjà super cool. Et en plus, on a 2 styles de combat avec. Je pense que c'est pour les 25 ans qu'ils ont fait ça. C'est vraiment pas cher en tout cas. Donc là, on retrouve une énergie type acier. Boostiflore. 8 messires. Jean Fleuret et Jean Targe. Chétiflore. Attends. Ah, j'ai eu Boostiflore et Chétiflore, ok. Kung Fuin. Voltoutou. Chaglam. Écrapince. Tritox en reverse. Et derrière, on a Astronel en holo. Voilà. Donc c'est toujours mieux qu'une carte rare normale. Mais c'est toujours pas une dinguerie. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'arc-en-ciel. On veut du gold. On veut des dingueries, quoi. On veut des dingues. Donc on va s'ouvrir ça. Hop. Petit booster Tyrannosif. En shiny, il est vraiment stylé, hein, Tyrannosif. Hop, on ouvre ça, on met de côté, on enlève le code, la manip 1, 2, 3, 4. En fait, en gros, les boosters célébration, en fait, il n'y a que 4 cartes, mais il y a plein de dingueries. Comme vous avez vu, là, il y a plein de cartes, il y a plein de rares. En fait, ça sert, moi, je trouve, les boosters comme là, style de combat, on a 10 cartes, mais on a rarement des rares, quoi. Donc, je préfère largement avoir moins de cartes dedans et avoir plus de rares que là, comme là, généralement, il n'y a pas grand-chose dans les boosters style de combat. Donc, énergie électrique, Jean Fleuret, Jean Targe, Colomar, Dimoclès, Pachirisu, ah, vraiment stylé, hein, l'illustration, Eoko, Monorpal, Hippotrempe, Ferrosinge, Seribou en reverse, et derrière, on a, voilà, Chafouine en rare. Donc, comme je l'ai dit, voilà, il y a quand même moins de taux, moins de drop dans les autres séries. C'est pour ça que les 25 ans, c'est vraiment cool à ouvrir, hein. Moi, je conseille vraiment, c'est bien d'en avoir un peu de côté aussi, mais c'est quand même cool à ouvrir. On va s'ouvrir le premier booster, en espérant avoir autant de chance et choper directement une dinguerie au premier booster. Avant, ça faisait vraiment plaisir d'avoir le Dracofeu. Ou alors Mew Gold aussi, hein. Mew Gold qui est vraiment très très rare. Donc là, on commence avec Luia. Xerneas. Professeur Shen en holo. Donc on l'a déjà reçu. Et derrière, on a Mew. Et derrière, il y a le code. Donc, on va mettre ça de côté. On va prendre le deuxième booster. On n'a pas eu autant de chance que le premier coffret, quand même. Noctalistar, vraiment incroyable. C'est vraiment 100 balles, là. Ça fait vraiment plaisir. Le code, on va le mettre de côté. On retourne. Donc là, on a Cosmog. Yveltal. Dialga. Donc, on n'a pas eu de rare, là. Et on a Pikachu Surfer, qu'on a déjà eu, il me semble, ouais, on a déjà eu Pikachu Surfer. Donc ça fait des doubles, c'est toujours, ça fait toujours plaisir d'avoir des doubles pour échanger des cartes qu'on n'a pas. Même pour, voilà, pour la collection, c'est vraiment cool. On va s'ouvrir le troisième booster. Hop. Hop, Lugia. Lugia qui nous aime bien, on le retrouve souvent. Zekrom, ça j'aime bien. Derrière, il y a quoi? Yveltal. Et derrière, il y a Zacian en V. Donc, on a eu Zamazenta. Et ben on a Zacian. Ça fait plaisir. On va la mettre directement sous sleeve et le code. Qu'on va mettre de côté. Donc là, le set qui avance pas mal. Hein. On chope beaucoup de cartes. Mais toujours pas non plus le Dracofeu. Il veut pas tomber. Il veut pas tomber. J'ouvre. Il veut pas tomber. Mais il va tomber, moi, je suis sûr. T'inquiète pas. Ça, c'est sûr que je vais ouvrir un Dracofeu. Hop. Donc là, on a Cosmog. Voilà, les communes, on les retrouve souvent. Xerneas. Dialga. Et Lunala. Et non, on n'aura pas du coup ce Dracofeu sur cette série. Mais on a chopé le Noctalistar. Donc on va faire un récap de ce qu'on a chopé dans les 2 coffrets. Donc hop. On va prendre les cartes. Alors,
Hop, hop, et hop. On va finir par le meilleur. Donc, on a chopé un Dracaufeu V2 Peter. Donc, c'est la carte promo du deuxième coffret. Pikachu Surfer. Vraiment très stylé. Zacian V. Voilà. Meilleur Pokémon légendaire de la 8G. Encore une fois, Pikachu Surfer. Faux Professeur Chen, que j'ai déjà eu en double. Je l'ai déjà eu aussi. Nymphalie Obscure avec le coffret. Pikachu Volant VMAX. Zamazenta V, donc il y a quand même pas mal de bonnes cartes, hein. Et Noctali Star, incroyable. Bon, la carte, elle est vraiment trop stylée. Type ténèbres, normal, classique. Donc j'espère choper le Dracaufeu pour le TB. La prochaine vidéo, ce sera du coup l'ouverture, ce sera le coffret dresseur d'élite. Donc là, ça va être vraiment une grosse ouverture. Donc lâchez un maximum de pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on va se retrouver du coup pour une prochaine avec l'ETB 25 ans. Allez, ciao!